mais à la montagne ça change vite, quoi. Donc ça se peut que. On arrive. Ça c'est beau. Ça. Il pleut. On voit un petit peu la météo France. Faut même plus la suivre. Ah ouais, non mais... On se grand mot, t'as vu, on est tout le temps. Et comme bah, là, on est mal, hein. C'est comme... Oh. On est mal. Mal. On va être mal. On est mal. Putain. Là, c'est noir de partout. Ouais, mais à la montagne ça change vite, quoi. Donc ça se peut que. Ça va être le bourbier. Une fois, j'ai été invité dans une palombière à passer une journée. Je vous raconte comment ça s'est passé. 5 heures le matin. Je me lève pour partir à la palombière. Quelle sale journée qui se prépare, j'ai pas pu refuser l'invitation. 6h30. Nous rentrons dans la forêt. Il a plu depuis 8 jours. C'est un vrai bourbier. Donc là, en face, c'est l'Espagne. Ça monte. Ça a bien plu, hein. C'est bien gras. Il y a tout. Village basque, hyper traditionnel. Voilà les amis, on est au départ de Biriatou. Je suis avec mon ami à l'équipe Une Nature et sa femme. Voilà. Ouais, féminin nature. Féminin ou nature. Allez, c'est parti, on y va. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Les amis, on est parti de tout en bas. Ça grimpe, hein, ça pique la gueule. Voilà, au fond, on peut voir
À l'horizon, la mer. On va essayer de zoomer un tout petit peu pour essayer de voir les vagues. Voilà, on peut voir les vagues, les bateaux. Voilà les vagues. Alors, on va voir. Voilà. Ça grimpe encore. Voilà. Ça pique la gueule, les amis. J'ai mal aux genoux. Bon, info, j'ai été opéré deux fois du genou. Donc ça pique. Donc avec mon petit sac. Sac à dos. Petit sac Tasmania Tiger. Voilà, avec le Camelback d'Ali Express. 3 litres d'eau. Là, il commence à y avoir un peu moins. J'arrête pas de pomper dedans. Mon ami Julien est plus haut. Petit point topo. Si tu dois aller quelque part, je te guiderai, tu peux me croire, je suis la carte. Si tu dois trouver ton chemin, je peux t'aider, écoute-moi bien, je suis la carte. Voilà. Donc on est toujours en Espagne. On va bientôt arriver à Ibardine. Donc là, voilà. Petit coin de bivouac qui est sympa aussi. Hein. Éventuellement, il y a du vent. Alors Julien, ça pique. Ouais.
J'ai mis à la bouche dans ma poche. Là, c'était terminé. Voilà notre tente. Voilà, enfin arrivé. Tu le bivouac. Non, on n'a pas de pile à peu près de la journée, on peut les sacs qu'on veut. Ouais, ça c'est pas de chance hein. On va être bien ici. Petit ruisseau pour filtrer de l'eau. Voilà. Jolie vue sur la montagne. Ouais, parce que tu fais ça bien. Hein. Ah bah oui, je conseille de m'emmerder. Regarde faire en contrôle. Ouais. Donc voilà, moi ma tente est enfin montée. Donc on va l'aérer un peu. Ça doit sentir la bite dedans. Ah! Vu que la dernière fois qu'elle a servi, c'était avec Julien. Donc ouverture des deux côtés. C'est pour aérer les nouvelles odeurs. Ouais. Ça aère mieux. Petit matelas gonflant. Classe. Il laisse un petit peu carpin de son bon flanc. Et voilà. Thank you.
Ouais, bah je commence. Ah non! Moi je m'en sers souvent. Moi je l'ai tout le temps quand je pars dans la verte, à la pêche et tout ça, je l'ai avec moi. Il n'y a pas de poil, il a du mal. Hein. Hier soir, dedans direct, premier coup, dans le noir en plus. Ah c'est vrai? Voilà, un coup de licorne. Ah les amis, regardez comment il filtre le rosé. On voit le cul de Passion Campagne. On voit le caleçon. Ah, alors qu'il est, ils sont tous à l'apéro déjà. Ouais, bah oui, il n'y a que nous. Ah, c'est bien de leur montrer des fois qu'on filtre un peu d'eau parce que la force, c'est. Ils vont croire qu'on ne boit que de la bière. La bière du Mont Blanc. On ne boit pas que de la bière. On n'oublie pas le sac poubelle. On n'est pas des clochards. C'est propre, donc ça va rester propre. Tu verras, c'est sympa. Liant. Voilà. Idéal pour les randonnées, les bivouacs avec la petite anse qui va bien. Voilà. Avec le latex, on a du mal, hein, je suis désolé. On n'a pas l'habitude. Nouvelle Katadine, on l'a pris tout à l'heure, 1 litre. Katadine avec le filtre intégré. Tac, pour filtrer la flotte. Voilà, nouvelle Katadine, nouveau coloris tactique, un peu kaki. Pas mal du tout. Petit verre aussi comme ça, ça c'est pareil, ça prend pas de place, ça fait une petite boîte, super sympa, voilà, et là on peut boire un coup. Santé, on aime bien ce qu'il faut. Au cognac, au whisky. C'est au whisky? C'est pas du rhum? Non, whisky. Ah si, c'est hein? Du rhum, j'ai une connerie. Ah bah oui, tu me dis que c'était... Putain, je suis fatigué. Bon, allez, à santé. Santé. À la nôtre, à la vôtre. Là, on a une petite vue sur la mer et sur les montagnes. Sympa. Il est bien ce petit bivouac. Mmh. Un petit cours d'eau. C'est calme, à la bout du monde. Je commence à péron. C'est devenu un instinct en fait. Bah attends, faut... Ouais. Il y a la bière et tout. Nouvelle petite. Je ferai un truc tout à l'heure. Nouvelle petite. Taupe titanium, tout en titane. Un beau petit produit. Hein. Alors, petite vue sur les montagnes. On a l'impression que c'est chargé au niveau des nuages sur la vidéo, mais en fait, c'est pas si chargé que ça. Ça fait noir, mais en fait, non. Super coin. On va essayer d'aller un peu plus loin là-bas. On va aller. Voilà. Je vous emmène, les amis. On va faire un petit tour là-bas. Alors, de loin, un petit peu le campement. Voilà. Donc déjà, ça fait vraiment très discret. Hein. Joli soleil qui brille par là-bas. Voilà. Super sympa. Regardez-moi ça, les amis. Donc ouais, on est parti de France pour aller en Espagne. Après, on s'est arrêté à Ibardine. Et ensuite... On est sorti de la zone, on va dire, où c'est que marchande, quoi. Voilà, avec tous les magasins. Au bout, là-bas, il y a la mer, là. Voilà. Où il y a la petite pointe blanche, là-bas. Putain, cet autofocus à la con, là. Là-bas. Altitude Nature, qui tourne sa vidéo. Donc, alors, moi, comment je suis installé? Donc, toujours... Patente. Voilà. Dessous, le poncho de l'armée. Déplié, ça fait un tarp. Ensuite, donc là je l'ai ouverte en grand, la tente. Voilà, il y a deux portes pour ventiler. Ensuite, matelas autogonflant. Et un petit duvet bien sympa. Voilà. Santé. Il est sur Facebook. Donc voilà, petite gourde en titane pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà. Bon, on est bien. Hein. On est super là. Ah ouais. Si,
m'étonnes qu'il est lourd, le sac. Gare du Mont Blanc. Attends, ravitaillement. La casse-poche, je t'en voudrais à mort. Je te comprendrais. Moi, je suis obligé de rentrer à la voiture frustrée, là. Oh là 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 là, hey, j'en ai un aussi. T'en avais ramené? Ouais. Saucisson. Bah, il faisait 1m10 avant, il a pris une claque. Mais c'est pas grave, je crois qu'on va le niquer ce soir. Oh, elle est pas planche par contre. Ouais, elle est un peu, ouais. Putain, c'est pas possible. T'as pas emmené ton niveau? Bah ouais. Non mais, j'ai oublié des choses, de toute façon, je l'avais dit. Ah, le niveau à bulle, il l'a pas pris. Ouais, j'aurais dû ramener... Ouais, il débute. Par contre, attends. T'as de l'écorce de bouleau pour faire couper. Ouais, si on veut. L'écorce de bouleau. Et d'ailleurs, il y en a plein derrière du bouleau, t'as vu? Ouais, il y en a plein. Donc, nom latin du bouleau. Parce que tout le monde parle de bouleau, mais c'est pas le vrai nom, ça. Bécula alba, verrugosa. Attention. Le bruit de l'apéro. Ouais. Pas un bruit. J'ai du chorizo. Oh putain. Oh non. Et un jambon de Parme. T'as pas froid ma claire, ça va? Non, je suis bien. Bah ouais, t'étais pas venu, tu vois, le dernier bivouac qu'on avait fait ensemble. Non, je vous ai un peu suivi. J'ai ramené des meules de fromage. Oh, quand même pas. J'aurais pas osé. Bon, ça aurait été trop pire. Ah, tu fais ça vraiment bien, t'es un expert. Tu fais la bière du Mont Blanc, toi, hein? Ouais. Ouais. Ah ouais. Attention! Ah, à louper! Non, elle a pas pété. Elle a rien fait. Ouais, d'habitude, à la maison, ça. Les capsules, ouais. Ça vole de partout, je les retrouve jamais. L'autre jour, elle était contente, quoi. Bah, c'est l'aspirateur. Elle a retrouvé, je sais pas combien de capsules. Vous avez vos gobelets? Je pensais que j'avais emmené mon verre que je t'avais dit là, mais tu l'es pas. Oh putain, on va mousser. Non, ouais, merci. Ça veut, c'est une volée de cidre. La petite bière du Mont Blanc. À la vôtre, les amis. À la tienne, ma poulette. À la tienne. À la tienne, père. Chine. C'est moi qui ai fait le plus grand verre. Père, elle a un gobelet qui fait 1 litre. Ça passe bien. C'est pas mal, là. Après, toute cette marche. Putain. Ouais. On l'apprécie. Non, en fait, toi, il y en a, ils sont en train de se dire, ouais, ça suffit, ils ont la voiture qui est juste derrière. Donc, on va goûter ça. C'est des cartes de quoi, ça? De Orujo y Passas. Ah, c'est du quoi? J'ai tout compris. C'est du Ricard, en fait. Normalement, c'est comme du Ricard, mais de l'eau, il va boire sur pur. Bon, ça, est-ce que c'est bon? Ça a l'air liquoreux quand même. J'ai l'impression que ça a coupé quelque chose quand même. Ouais. Non, c'est pas.
Les isards. Putain, il y avait deux rôtis là. Ouais, regarde, il nous regarde, il nous regarde. Trop mignon. Ouais, mais ça c'est parce qu'on est calme. Ouais. Hey, tu flottes, on te retrouve, tu te dis dans le ruisseau, on te retrouve dans la vallée en bas. En bas, ah ouais, c'est ça. Je pars en canyoning directement à la mer. Jusqu'à la mer. Hey, remarque, tu descends nickel dans la vallée, hein, pour récupérer en bas. Attends, faut que je dorme avec mon sac à dos. Sur moi, comme non, ça. Non, mais n'est pas ton sac à dos, tu vas couler. Non, merci. Ça va faire ceinture de plus. Ouais. Je suis pas trop fromage frais, moi. Ah ouais, ouais. Fromage à pâte dure, quoi, en fait. Ah ouais. Ouais. Séverine, ouais. Ça kiffe. Bah, les filles, souvent. Ouais. Les fromages, ouais. Les chèvres. Ouais, frais, ça leur fait penser. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être la texture. 13,5. Pas très froid, hein. C'est humide. Il fait minimum et maximum, non? Non. Minimum. Oh non, j'ai passé le meilleur. Je voulais en prendre un, même sur AliExpress, putain, ça coûte trop cher. Ah ouais? Ah ouais. Minimum et maximum, Ah ouais. Bizarre, hein. Donc, Bon, ça donne la température, l'altitude. Bon, la montre aussi, tu me dis. Ah, t'as l'altitude aussi? Ouais, sur la montre aussi. Ah mais pas sur le bordel? Si. Mais il est pas réglé, là, faut que je le règle. Il est à 1984 mètres. Ah non, que, ouais. Le beefsteak est parti sous votre nez alors. C'est bon, crochet. Ouais. Et. Bye. Demain, je prends un gros jambon. Il est pas cher le gros jambon, il est juste à côté là. Claire, regarde. C'est bon, tu viens. Parce que. On a ramené la Bible. On a le catalogue. Claire, elle a été dans le machin là, elle a pris le bordel quoi. Et là, je vous garantis que c'est un truc de malade. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un jambon. Un jambon. Là, 29,90€. Ça fait entre 6,5 kg et 7 kg. Ouais. Donc, ça, je pense que demain, dans le sac à dos. Ce qui n'est pas assez gros. Il y aura peut-être un petit saucisson quand même. On va peut-être. Petit chorizo. Ouais, pour l'apéro. Ouais. Un petit bout de fromage. Il y a plein de fromage, donc on verra après. Sur place. Le jambon, 30 euros. 30 euros, les. Combien, 8 kilos? 7 kilos. 7 kilos. Ouais. C'est pas cher. Hein. Ouais. Vous entendez bien là? Hein? Les machins, hein? Petit tapas là, je sais pas quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah oui, des petites moules. Ouais, des petites moules. On adore les petites moules. Les petites moules, maman. Maman, la petite moule. La licorne dans la moule. Là, il veut ramener un gigot de 7 kilos demain. Eh, faut voir ce qu'il a acheté au magasin de rando. Hein. Il a tout craqué. Hein. De l'huile d'olive, maman aussi. Maman. C'est horrible. 15 euros les 5 litres, j'ai vu. Du Toblerone aussi. Toblerone? Tu sais, c'est les grandes barres chocolat, ouais. Nougat là. Alors, il y a du cougnon. Du cougnon, maman. On en a pas à la maison, faut prendre du cougnon. Oui, bah, je vais peut-être manger parce que de toute façon, ouais, t'as quoi à me proposer comme dîner gastronomique? Alors, souris d'agneau, alors j'ai foie gras et compoté de miel. J'aurais bien mangé une cuisse de confit de canard et tout. Ah ouais? T'en as pas? La chieuse. Ils ont pas ouvert le soir les restos là? Bah, tu rigoles, mais on est pas loin. Hein. Voilà, hé, moi je me verrais bien laisser ma tante. Hein. Comment ouais, les morts, même les gens qui passent, comment tu peux le savoir que tu dors pas dedans? Il y aura personne qui va passer à cette heure-là. Tu m'aimes? Tu m'aimes? Là, t'as personne qui passe là. Ah bah, non, regarde, on a vu personne. Tu viens, regarde, même si t'as quelqu'un qui passe. Oui, il va pas aller s'amuser à regarder.